a réussi à fuir vers la forêt. On va avoir droit à une petite partie de chasse. Non, je crois pas. Père Mathias a dit qu'il s'en occupait lui-même. Quoi? Pourquoi? Putain! J'ai besoin de renfort! Aïe! Oh. Hey! Hey, on a un survivant ici! Pourquoi vous faites ça? Thank you.
toi. Il a pu appartenir à un villageois, comme à un noble. Un gunbai, utilisé par les samouraïs pour relayer les ordres aux soldats sur les champs de bataille. Il est très solide, sûrement du bois de cyprès. Nous sommes échoués sur l'île. La pluie et le vent nous ont cloués sur place pendant des jours. Nous ne pouvions pas nous abriter ni chercher de la nourriture. Nous pouvions à peine bouger, comme si une main gigantesque nous retenait. Alors que la tempête se calmait, le père Mathias s'est présenté à nous. Il était calme. Il semblait nous connaître. Nos noms, d'où nous venions. Il s'adressa à nous dans notre langue maternelle. Il nous expliqua la vérité sur cette île. Il nous offrit le choix entre le salut ou la mort. Certains essayèrent de lui tenir tête. Il les tua sans hésitation. Le père Mathias n'était ni malveillant ni agressif, mais calme et déterminé. Alors que je me tenais sur le sable, souillé par le sang de mes camarades, je compris que je ne pourrais rien lui refuser. On peut y arriver.
te voir. J'ai l'impression qu'ils sont acharnés sur ta jambe. Non, c'est pas si grave que ça. Est-ce que tu as eu des nouvelles des autres ? Aucune. Hé, hey, mais qu'est-ce que tu fais ? Ils ont pris mon sac de provisions. L'émetteur du canot était à l'intérieur. Si on le récupère pas, on pourra jamais quitter cette île. Mais il te faut des bandages, des calmants, des antiseptiques. Tout était dans le sac. Super. Eh oui. Approche. Approche. Le sac est là-haut, quelque part. Thank you.
ces ruines. Période Kamakura. Tout ça faisait partie du Yamatai. Le sac est là-dedans. Je veux juste récupérer le sac. C'est tout. Ça y est. Bon, il faut que je rapporte ça à Ross.
j'ai chaud. Je vais te remettre sur pied. C'est pas mal. Où est-ce qu'une jeune fille comme toi a appris à faire des montages? J'ai pas mal bossé comme serveuse de nuit. Les bagarres, ça finit souvent comme ça. Hé, hey, tu l'as retrouvée. Bien joué. Alors, il va falloir la porter en haut de la tour radio, c'est ça? C'est le meilleur moyen de diffuser un signal puissant dans toutes les directions. Écoute, Lara, il faut qu'on envoie ce SOS. Mais je ne suis pas en état de grimper. J'avais peur que tu me dises un truc comme ça. Tu peux le faire, Lara. Après tout, tu es une Croft. Mais je ne suis pas ce genre de Croft. Bien sûr que si. Mais tu ne le sais pas encore. J'espère pour nous que tu as raison. Mais... sois prudente, Lara. Peut-être essayer ton piolet sur cette paroi rocheuse là-bas. Heureusement que Ross m'avait préparé. Tous ces treks, tous ces entraînements d'escalade. C'est comme si je m'étais préparé à ça depuis toujours. Il est clair que des gens vivent ici. Ils sont organisés, ils tuent et ils recrutent. Mais pourquoi ? On dirait une sorte de secte. Mais qui vénère-t-il ?
devait appartenir à un marine américain. Est-ce que cette île a été occupée ou était-ce des éclaireurs? Est-ce que ces marques représentaient des amis perdus ou des ennemis tués? Dans les deux cas, c'est trop pour un seul homme. Je peux y arriver.
silhouettes dorées, les servantes de la reine solaire. Des sacrifices, des meurtres. Il n'y a aucune trace de ces rituels dans les récits du Yamatai. À moins qu'on les ait effacés. Construit en l'honneur de ses prêtresses. Incroyable. Aussi loin! Tu crois qu'on devrait retourner au bunker? Non! On attend que ça se calme! Compris! Ouvre l'œil! On ferait mieux de rentrer! Tu crois vraiment? On a le temps. Occupons-en pour nous détendre. À tous les coups, on va être décorvé des pâles. Ça leur sert. Oh merde! Ah!
parlé à plusieurs habitants de l'île. On m'avait formellement interdit de quitter le palais, mais il en fallait plus pour m'arrêter. Mon objectif est clair, je dois découvrir la vérité. Mais les histoires que je découvre dépassent l'entendement. Des rumeurs affirment que la reine serait en communion avec le monde des esprits, qu'elle commanderait le soleil et la pluie, et que les terres ne seraient fertiles que par sa volonté. Ce sont sûrement des inepties, mais d'où viennent ces rumeurs? Est-ce ainsi qu'elle contrôle son peuple? En usant de superstitions primitives? Lorsqu'ils parlent de leur reine, je vois du respect dans leur regard, mais aussi de la peur. Le peuple est traité avec justice, taxé raisonnablement et protégé par les gardes tempêtes. Je comprends qu'ils la vénèrent à ce point. Certains voient en leur reine une véritable divinité. Semer le mécontentement au sein de la population risque de s'avérer plus difficile que prévu. Mortiers sont pilons, probablement utilisés pour préparer des potions à base de plantes. Il y a aussi des petits fragments d'os. J'espère que ce sont des os d'animaux. Sam ? On est toujours sur sa trace. Ok, je vais essayer d'envoyer un SOS depuis une vieille tour radio. Une idée ? Tu vas devoir trouver la console de communication. Ça ressemble à un vieux standard téléphonique. D'accord. Je te rappelle dès que je la trouve. Non!
J'ai un mauvais pressentiment. Crois-moi, Reyes, c'est mécanique, c'est pas un problème électrique. Maintenant, Alex. C'est pas... Ok, peut-être que c'est un problème électrique. Non, tu crois? Ah. Bonjour. Qui est cette demoiselle? Elle est mignonne, hein? Ah, plutôt, ouais. Oui, c'est Alisha. Alisha? C'est ma fille. Oh. Elle a 14 ans. Et elle est plus débrouillarde que toi. Elle doit tenir ça de son père. Fais pas attention à lui. Et oui. Je vais aller voir ça. C'est un problème électrique. Elle tient de son père. Pas mal. Donc j'étais sur le lac, pour une partie de pêche nocturne. Hé, Grim, c'est l'heure de fermer les écoutilles. J'arrive tout de suite. Donc j'étais sur le lac. Et cette chose arrive vers moi, et commence à sortir de l'eau. Alors, je lui ai mis un coup de boule, vous voyez. Je vous assure que 9 fois sur 10, ça marche. J'ai eu mal au crâne pendant une semaine, et j'ai pas bu une goutte depuis. À tout à l'heure, Sam. Ok, on peut refaire une prise, s'il vous plaît? Merci. Docteur Whitman, séquence 15, prise 3, et action. Alors, vous le tenez bien, et vous lui ouvrez le ventre, comme ça. Ouais, mais il faut... C'est pas vrai. Coupez! 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 Il va revenir? Je vais le chercher. L'archéologue mondialement connu. Et je peux vous dire... L'archéologue de renommée mondiale, le docteur Whitman. Ce n'est qu'un poisson. Je sais que ce n'est qu'un poisson. Tout va bien se passer. Cette fichue télé-réalité, je n'y ferai jamais. Je suis censé apporter de la culture aux gens, Sam. Pas cuisiner. Sans vouloir vous vexer. Le public veut voir des choses, docteur Whitman. Vous le savez. Et en attendant de trouver le royaume perdu, nous n'avons pas vraiment le choix. Allez, on reprend au début, d'accord? On s'arrangera au montage, vous aurez l'air d'un vrai chef, vous verrez. Docteur James Whitman, séquence 15, prise 4, action. Alors, tenez-le fermement et tranchez-lui le ventre. Comme ça. J'ai tellement étudié ces cartes que je les vois encore quand je ferme les yeux. Et si jamais le Yamata ne se trouvait pas dans le triangle du dragon? Je me souviens du jour où t'as trouvé ça sur un chantier. T'as couru pour venir me le montrer dans ton pyjama à pingouin. J'avais tout juste 5 ans, c'était mon premier trésor. Tu as beaucoup d'instinct, Lara. Il faut que tu crois en toi. C'est ce que mon père disait toujours. Oui, lui, il ne fonctionnait qu'à l'instinct. Au risque de se tromper. Il aurait été très fier de toi, Lara. La tempête n'est plus très loin. Allez, ne t'inquiète pas. On s'en sortira. Ok, Lara. C'est pas le moment de faiblir. Tout le monde compte sur toi.